Dimanche 24 mai 2015, jour de Pentecôte, la commune d'Ndéndé constitue l'étape finale qui boucle en apothéose la série de célébrations du 47e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans la province de la Langouinée et en même temps le point de départ des futurs succès d'Ali Bongo Ondimba, chef de file du PDG. Une exceptionnelle mobilisation a marqué l'événement rehaussé par la présence du président du Sénat qui a procédé à l'inauguration de la maison du parti des militants et sympathisants du PDG de l'ADOLA. La place des fêtes de Ndéndé a vibré de l'affluence des cadres et militants du Parti démocratique gabonais, originaires de la province de Langouinier, ayant décidé de mutualiser leurs forces au sein d'une dynamique baptisée Langouinier Forte pour accompagner et soutenir avec la manière le développement impulsé par le chef de l'État à partir de leur région. Tapis rouge pour la présidente du Sénat, hymne du parti et minute de silence à la mémoire de Rose Francine Rogombé ouvrent les hostilités de cet anniversaire grandeur nature. Ici, dans la Dola, le 47e anniversaire du PDG est marqué par un grand rassemblement de toute la dynamique unitaire de Langouinier Forte, avec la prestation remarquable des groupes socioculturels et traditionnels venant des divers horizons de la province.
Occasion propice de rendre un hommage mérité à Yves Fernand Mafumbi pour toutes les initiatives qu'il porte au profit d'Ali Bongo Ondimba. Dans cette ambiance électrique, mêlée à la tradition, des artistes modernes se sont également distingués. Puis arrive la phase de discours. Le secrétaire départemental de la DOLA est le premier à se plier à cet exercice pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes. C'est avec un réel plaisir que je joins ma modeste voix à celle des militantes et militants ici rassemblés pour souhaiter la plus cordiale bienvenue à Madame le Président du Sénat. À vous, camarades, membres du comité permanent, aux membres du bureau politique de la province d'Angoulême, ainsi qu'aux nombreux camarades ici présents. En invitant le président Ali Bongo Ondimba à poursuivre son œuvre de construction du pays, les jeunes et les femmes de la DOLA ont renouvelé leur soutien indéfectible au numéro 1 gabonais, ce contre vents et marées. Considérant le pas qualificatif du développement du département de la DOLA par l'électrification de chaque village d'une part, le bitumage des axes routiers Mouina-Ndende, Ndende-Chibanga d'autre part. Nous, Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, du département et de la commune de Ndende, soutenons sans réserve le projet de société du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, et nous promettons de combattre démocratiquement les ennemis de notre parti en vue d'engranger d'autres victoires plus éclatantes en 2016. Enfin, nous prions notre Seigneur Dieu de continuer à bénir le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Nende Oye, Nende Douma, le PDG Nga, le PDG Nga, Ali Bongo Ondimba Milolwa. Nous, femmes du département de la DOLA, adressons notre profonde gratitude à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour avoir promu aux prestigieuses fonctions le président et la plus haute chambre du Parlement gabonais, le Sénat, la vénérable Lucie Milebou Obusson, épouse Mboutou. Face aux agitations observées depuis quelque temps au sein du parti, tant sur le plan provincial que national, la judicieuse évaluation des sages a retenu toute l'attention. Le Conseil consultatif des sages, mémoire vivante du parti, que j'ai l'insigne honneur d'apporter à toutes les militantes. J'ai l'insigne honneur d'apporter à toutes les militantes et militants et aux distingués camarades présidents du parti un salut fraternel et militant des sages du PDG de la DOLA. Enthousiasme militant et s'adresse aux invités qui, comme en Inde,
sont conscients de leur valeur et jaloux de leur dignité d'homme. Occasion privilégiée d'évaluation des actions libératrices et promotrices de notre communauté nationale prouve à suffisance l'intérêt et l'attention que notre département de l'Adola porte aux autres départements frères de l'Angounie. Militantes et militants, le sage remplit son cerveau avant de vider sa pensée. Malgré la présence de cette opposition hostile, la foi inébranlable de nos militants dans un pays de paix demeure. À notre président du Parti démocratique gabonais, le distingué camarade Ali Bongo Ondi, dont nous félicitons l'action pour son peuple, nous le prions à faire toujours montre de cette disponibilité permanente qui le caractérise et que le moment venu, il répond toujours prêt pour continuer à servir le peuple gabonais. Dans un élan de solidarité à la politique de l'émergence, avec l'exploit remarquable de l'offensive des actes menés par Ali Bongo Ondimba, qui engrange des succès indéniables, le représentant des élus de la Dola a montré le chemin à suivre. Chacun de nous devrait se poser une question chaque fois. Quel est mon apport dans le processus de l'émergence pour atteindre les objectifs visés par le distingué camarade Ali Bongo Ondimba? En réponse à cette question, nous avons tous l'obligation de semer des bonnes graines afin de récolter des bons fruits. Comme il a su le faire à toutes les étapes de la province, l'honneur est revenu au secrétaire provincial de présenter à la masse de Dendé l'ensemble des officiels présents. Le devoir me compte de le bureau politique du Parti démocratique gabonais, du PDG El Angouni. Aujourd'hui, c'est la boucle. Les sommités du PDG au niveau de la province d'Angounie sont là. Ceux qui ne sont pas là, ils ne seront plus là. Beaucoup, beaucoup. Oui. Enlevez la mauvaise herbe. Vous connaissez la mauvaise herbe, n'est-ce pas? Oui. Je suis Dieudonné Mondjo, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, le département de Tsamba Magoti, en même temps député du district d'Ikobe du canton Sindara. Je vous remercie. Est-ce que Ndende est là? Oui. Je me présente, je suis l'ACNAM GS. Je suis membre du bureau politique du premier siège de Ndolou. Mon nom, Jean Koumbi Kiyedi. Qui est une foi, l'Angounie Télé, nos camarades, distingués camarades, foi. Bienvenue à nous, Martin Moussa. Je suis Anastase Keba Mukumi, membre du bureau politique pour le département de la Luetibibaka. Je suis Maurice Ndo Massandé. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Il y a la joie! Donc j'exhorte toutes les femmes à rassembler vos énergies et à prier, à intercéder pour le messager d'Ali Bongo Ondimba dans l'Angounier. Je ne vais pas citer son nom ici. Tout le monde le connaît. Afin que tous ceux qui le combattent soient combattus. Afin que tous ses adversaires et ennemis soient ses marche-pieds. Au nom de PDG Nga, PDG Retetetetete, Ali Bongo Ondimba Milolo, Retona Minyebengia, Amoukwe Nyebengiu, Arriba Timane, Arriba Bokamie, PDG Woka, IFPDG Bassé. À l'euphorie populaire, caractérisée par l'animation de divers groupes socioculturels typiques de la province de l'Angounier, le président du Sénat a demandé à tous les militants de se mettre en ordre de bataille pour rendre l'ascenseur à Ali Bongo Ondimba le moment venu. Merci pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Je suis réellement ravi de célébrer avec les militants de l'Angounier, de la Dola en particulier, la fête en différé du 47e anniversaire
de notre parti. Heureuse de me retrouver avec les fils et les filles de notre province, qui sont les maillons forts du Parti démocratique gabonais. Langounié, oyez ! J'ai une seconde raison d'être pour arriver à être désignée par le camarade comme candidate présidente au Sénat, il faut d'abord être sénateur. Et là, Yves a pesé de tout son poids pour que je sois à la tête de liste à la commune de Tsamba Maguti. Merci, mon frère. En baptisant la maison du parti à mon nom, on tous taire nos querelles en fermant nos oreilles aux calomnies, nos bouches des paroles malveillantes, être derrière le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, qui nous donne tant et à qui nous devons renvoyer l'ascenseur. Le clou de la manifestation a été l'intervention du membre du comité permanent, dont le message politique était évidemment attendu avec une vive curiosité dans un contexte que personne n'ignore. Je souhaite me saisir de l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de m'exprimer pour adresser un message à l'ensemble des militants et militantes, non seulement de la province de Langounié, mais également de tout notre pays, le Gabon. Ce message tient en un mot, le rassemblement. Rassemblement des forces vives de notre pays au service du projet de développement du distingué camarade président L'Avenir en Confiance, dénommé le plan stratégique Gabon émergent. L'orateur ne s'est pas dérobé à cette attente et a adressé un vibrant message aussi bien à l'intention des militants de Langounié que de toute l'opinion nationale pour présenter clairement la vision politique du président Ali Bongo Ondimba. Ce projet de développement va améliorer et celle de nos enfants à travers toutes les réalisations qu'on. Ce sont des nouvelles routes qui nous permettent de nous déplacer. Et des nouvelles routes, non seulement, mais également d'autres infos qui nous permettent aussi de ne plus être isolés parce qu'on habite ou qu'on habite dans d'autres provinces telles que le Gouéivindo, le Gouémaritime, j'en passe. Des écoles bien équipées dans lesquelles nos enfants étudient, des centres de santé et des maternités pour avoir plus à risquer. Le plan de développement économique et social de notre pays, à savoir le plan stratégique Gabon émergent, présenté et proposé par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, en est une solution et une source d'opportunités d'emploi qui s'ouvrent dans l'agriculture, dans la construction, dans l'industrie, pour permettre à nos jeunes de travailler et de s'assurer un avenir digne en toute confiance. Le membre du comité permanent a fait prendre date pour les prochaines échéances électorales. Pour lui, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'à partir d'un Ndendé, la province de Langounié devra constituer la base arrière du président de la République pour réunir toutes les chambres. Et c'est donc avec cette dynamique unitaire de Langounié forte, déjà en ordre de bataille, que le chef de l'État devra compter en 2016.